Pucuk. The president, please be seated. The court is now back in session. Without further ado, we would like to now hand over to the co-prosecutor to put questions to the witness. Thank you, Mr. President. Madam Sassi, we'll continue where we left off. Madame le témoin, nous allons continuer. Arrival at Udong. À partir de là où nous en étions restés avant la pause, donc votre départ de Udong. If I can ask you first, j'aimerais d'abord vous demander how many people together with you, combien de personnes left the Stung Trung area ont quitté cette zone le 17 avril. Combien de personnes étaient avec vous lorsque vous avez quitté Stung Trung? Réponse. In my arts group, dans mon groupe we artistique, came all together, including men, nous sommes women tous partis children, ensemble, hommes, femmes et enfants, including the musical instruments. Avec nos instruments de I musique. Don't remember the exact number. Non, je ne me souviens pas de combien nous étions. And were there any other people who were working? Y avait-il d'autres personnes qui travaillaient à Stung Trung? Y avait d'autres personnes à part le groupe artistique qui vous ont accompagné ce jour-là? Réponse. I came with Hunam and Tio Al. Hunam and Tio Al. When we reached Chattara, nous sommes arrivés à Chattara. They left us. Ceci, they went to the city first. Nous and ont quitté, sont allés vers la ville avant nous. Nous ne sommes arrivés que plus tard. So now, looking at question, donc, the situation at, si l'on at Udong, examine la situation à Udong, were there other people, y avait-il d'autres personnes, à part le groupe artistique, et les personnes qui étaient avec vous, y avait-il d'autres personnes for the leadership or who qui travaillaient soit pour la direction, ou s'il y a d'autres personnes basées à Udong au moment où vous avez quitté la zone de Stung Trung. Réponse. To respond to your question, pour répondre à I would like to say that first, j'aimerais d'abord dire with Mr. Kyo Sampan que and j'ai stopped rencontré M. Kyo Sampan et que nous sommes arrêtés but brièvement à Chattara. Chattara. Mais lorsque nous avons quitté Chattara, nous ne l'avons plus revu parce qu'il avait changé de véhicule. And just to make sure I understand correctly what happened. Alors j'aimerais m'assurer que j'ai bien compris de quoi il retourne. You talked earlier about B20, vous nous avez parlé tout K18, à l'heure de B20 K18 Stung Trung. Est-ce que ces personnes se sont également déplacées vers Udong le 17 avril? Réponse. I do not know about other units. Je ne sais but pas I ce qu'ont fait les autres unités. Remember about mais our je me my unit souviens de mon unité that we came to the et que nous independent monument. Nous sommes arrivés au monument very de l'indépendance. You said your entire group, came vous nous avez dit que votre groupe, dans sa totalité,
s'est déplacé avec Winnie Mitchell, et vous nous avez également dit que vous aviez aussi rencontré Monsieur Kyu Sampang. What were they doing when you were at Udong? Where were they? Que faisaient-ils quand vous étiez à Udong? Où étaient-ils eux? Response. I met them. Je les ai rencontrés à mi-chemin. They stopped by Chitra. Ils se sont arrêtés à Chitra et ils ont travaillé brièvement. So that we could sing dans together des pagodes de manière fluently. À ce que nous puissions chanter en harmonie. Did the mobile radio station question. Also et la station come along with your group? De radio mobile a également accompagné votre groupe? Réponse. Yes. Oui. It did. And oui. We met ce fut le up cas. At Sraiwil. Et nous nous sommes retrouvés à Sraiwil. Kampong Speu location. À Kampong Speu. We came to Phnom Penh. Nous sommes. And members nous of their group Phnom Penh also joined et, us. Les membres de leur groupe later nous ont également on, rejoints. They stopped plus tard, using that. Radio, ils ont cessé d'utiliser cette radio mobile et nous radio avons commencé à nous servir d'une and petite station de radio près de Wat Phnom. La question, je vous remercie. Le passage de Stockholm à Chatara. Est-ce que la station de radio a continué à diffuser ses programmes de radio pendant cette période? Réponse. Yes, it oui. did. Before we came oui, to reach Phnom Penh, que nous n'atteignions the station Phnom Penh, was still functional, but then when la we station approached radio mobile a continué the city, à fonctionner. Cependant, lorsque nous nous sommes rapprochés de la ville, prepared to nous make use nous of sommes the préparés radio station. We did not broadcast immediately upon arrival, but we had to familiarize ourselves. Nous n'avons pas commencé à émettre immédiatement. Il a fallu nous familiariser d'abord avec le nouveau cadre dans ces locaux nouveaux. Now, question. Do you recall the reason that vous rappelez-vous de la raison pour laquelle vous vous êtes arrêté à Mont Chatara pendant trois nuits avant de poursuivre votre périple vers Phnom Penh? Réponse. First, en premier lieu, I do not know what was the reason behind this, but when I came to arrêté. The stadium, I noted mais that je suis arrivé some au stade, people were still je me suis aperçu there, qu'il y avait encore des personnes qui étaient là, tout le monde n'avait pas encore so été we évacué, some et on remained. Nous a dit en fait qu'une partie de la population était encore sur place. Just to make sure that we understand, alors, pour être sûr d'avoir bien compris ce dont vous étiez au courant à ce moment-là, j'aimerais que l'on se tourne vers un extrait de votre déposition au juge. It's the same statement that my colleague used earlier. Au juge d'instruction, c'est le même document que celui qui a été utilisé par mon collègue tout à l'heure. Il s'agit de E3-379. Est-ce qu'on peut remettre un exemplaire imprimé au témoin? The President, you may proceed. Le président, je vous en prie. Make sure that the witness has obtained a copy or not. If not, indeed, you can. Proceed to on a un give the copy to her. Si elle ne l'a pas déjà.
Thank you, Mr. President. Just if the court officer could assist the witness in locating a section in Khmer starting at 00294-800-800. In English, the relevant ERN is 00323324, and in French, 00385-185-195. Now, and if we could show that, project this on the screen as well for the public. Est-ce que l'on peut également afficher cela à l'écran the council. Pour le public? Khmer ERN 00294-800. I think our staff are ready to project if the AV unit could assist. Et je crois que nous sommes prêts à afficher si l'unité... I want to read to you first one question and answer, Madam Sarsik, and ask you if you could clarify for us what you're describing there. Question. Y décrivez, si c'est possible. La question when est la suivante. You were with those three, Kyu Sampang, Son Sen, and Hunim, what activities did you see them conducting? Avez-vous vu answer, ce qu'ils faisaient? I saw nothing. Réponse, their activities je n'ai were normal, rien vu. Leurs getting activités ready to enter normales. And occupy the city of Phnom Penh. Et à occuper la ville de Phnom Penh. Is that a correct Alors, summary of what you told the investigators? Est-ce que ceci reflète de manière exacte Madame ce que vous avez dit aux enquêteurs, Madame Sarsik? Réponse. Response. Actually, Mr. Son Sen en fait, was not coming Monsieur along, Sen, although, and the statement is correct, apart from what I said. N'était pas là. Donc, à part cela, ce qui est indiqué. Thank you for that clarification. And do I understand correctly? This was this is a description si compris, of what you saw at Chatara or de Udon. Ce que vous avez vu à Chatara. Et à Udon. Response. Réponse. Yes, it is. Oui, c'est exact. Thank you. Now, if we stay on the same document, and if you on the document, same page, sur la même page, three questions down, trois questions plus loin, and the ERNs are the same in all three languages. Les ERN restent donc les mêmes dans les trois langues. The ERNs I gave earlier. Ce sont ceux que j'ai donné tout à l'heure. And I'll read to you. Et je vais vous lire. Two questions and your answers. Deux questions et les réponses que vous avez fournies. Question. At that time, did you know that who had ordered the evacuation of the people? Qui avait donné Answer, l'ordre d'évacuation I de la population? I did not know. Réponse, I just knew je n'en savais that rien. The uncles had not yet allowed entry que, because the people had been evacuated in the wrong direction. La population avait été évacuée dans le mauvais sens. Question, who were Question, the uncles? Qui étaient ces oncles? Answer, the three réponse, senior leaders les who trois came hauts along. Dirigeants qui étaient avec Is that elle? A correct statement of Est-ce the reasons that you gave? Cette déclaration reflète de manière rather exacte for the information that you were given about the delayed entry into vous aviez expliquant le retard dans l'arrivée à Phnom Penh. Réponse. I also wish to state that when je I refer to uncles, there were fait référence aux uncles oncles, including Hunim, ses oncles, il y avait who Hunim, came or who joined the trip qui, with us. Nous a rejoint I do not really have voyage. Anything else to change my statement. I think that changer. Is correct. J'ai le sentiment que ma déclaration est exacte.
If I read this page correctly, and please do correct me if I'm wrong, the three uncles would be a reference to Kyu Sampan, Son Sen, and Hunim, because you talk about them earlier on the same page. Is that correct, that those were the three uncles who had not yet allowed entry? Oncles qui n'avaient pas encore procédé à l'entrée, ni permis celle-ci. Réponse. Mr. Kyu Sampan did not say that and Son Sen was not joining the trip, but there were two uncles, Tihol and Hunim, who said so. Qui ont dit cela. And when you say there was these question. Two uncles who said vous parlez de ces deux oncles qui ont dit cela, were they the two s'agit-il people that you heard speaking about this, or did you hear it from someone else? Que vous avez entendu en parler, ou bien s'agit-il de quelque chose qu'un tiers vous a dit? Réponse. I heard through my superior who je l'ai entendu yelled, par la voix who told us when we were in the car, qui nous a dit, letting alors que us nous know étions dans la voiture, the piece of information. Qui nous a transmis cette information. So, question, merci. Donc, you said to us you saw Mr. Vous nous avez dit que vous aviez vu Monsieur Kyu Sampan à Chatara, si je ne me trompe. And when was the next time that you saw Mr. Kyu Sampan? Quand l'avez-vous revu après cela, Monsieur Kyu Sampan? I never saw him again when je ne l'ai plus jamais approached revu. Phnom Penh. Ou plutôt, je ne l'ai pas revu pendant toute notre approche de Phnom Penh. Rectification. Question. Did you do question. I understand correctly that you never saw him j'ai bien compris. After Udong, you never saw him after the 17th of April. Vous n'avez plus jamais revu après Udong après le 17 avril 1975. Vous ne l'avez plus jamais revu. Response. Réponse. It is correct to say that I never oui, saw him again because I worked within my ministry. Thank you very much. Merci beaucoup. Now, if we can take a brief step back. Alors, est-ce que nous pouvons faire un pas en arrière brièvement pour revenir sur la question des émissions radiodiffusées au cours de cette période. And you said to us, et vous nous avez dit earlier that, some of the broadcasts were plutôt intended to que certaines de ces émissions visaient à appuyer les combattants sur le champ de bataille. Alors, what I'd like to do is, ce que j'aimerais faire read to you from a transcript à cet égard, of c'est vous donner lecture de la transcription d'une émission diffusée et vous demander si vous reconnaissez ou si vous vous souvenez de cette émission ou d'émissions similaires qui avaient été diffusées autour de la même période. Mesdames et messieurs les juges, il s'agit du document E3-111A
FBIS broadcast transcript. It's dated the 1st of April 1975. We have a hard copy to show the witness. I suspect she hasn't seen the actual document imprimé. Je pense qu'elle n'a jamais vu le document auparavant, car il s'agit d'un document qui a été produit hors du Cambodge. Mais avec votre permission, je pourrais lui remettre et poser quelques questions concernant la teneur du document. The President, Council, le Président, for Conseil pour la Défense, pour Thieu Sampang d'abord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je voudrais simplement rappeler la méthode qui a été décidée par la Chambre, à savoir que l'on devait au préalable montrer le document au témoin pour savoir s'il le connaissait, et que s'il ne le connaît pas, non seulement on ne peut pas lui montrer, mais on ne peut pas non plus citer in extenso le contenu de ce document. Il me semble que c'est la décision qui a été retenue par la Chambre ce matin lors de l'interrogatoire de mon confrère de la défense du Nunchia, et dans ces conditions, il me semble que la même règle doit s'appliquer à when counsel for Nunchia was trying to cross-examine the witness using a document. That should also be the case this time around. The President, thank you. Le now Président, counsel for Nunchia. Conseil, thank you, Mr. Nunchia. President. Merci, just Monsieur le Président. Follow up on what my colleague just said. Simplement pour indeed, appuyer ce que mon collègue vient de dire. En effet, le témoin doit d'abord témoigner du fait de savoir s'il a déjà vu le document auparavant, oui ou non. Si la réponse est non, la règle telle que vous l'avez établie ce matin est que l'accusation ne peut pas citer des extraits du texte, simplement paraphraser. Je tiens à ce qu'il soit acté que nous ne sommes pas d'accord avec cela, que ce n'est pas un bon moyen d'utiliser le temps de la Cour, mais si c'est une règle qui s'applique à la défense, elle doit également s'appliquer à l'accusation. Mr. President, I think my friends, Monsieur le Président, je pense que mes amis ont mal compris la manière dont cette règle doit être pratiquée. Il ne s'agit pas d'un document d'époque du Kampuchea démocratique. Le contenu de ceci, c'est la transcription d'une émission de radio. Alors, je ne peux pas montrer cette émission de radio ou la jouer, mais ce que je peux faire, c'est en lire un bref extrait pour voir si elle le reconnaît, lui montrer le document. Effectif, nous savons qu'elle ne va pas le reconnaître. L'exercice serait donc futile. Nous cherchons à rechercher les informations qui pourraient figurer dans la substance du document et le fait de savoir si le témoin reconnaît cela. Nous avons introduit une requête visant à clarifier la manière dont cette règle doit opérer. C'est une des bases que nous avons présentées pour ce faire. La Chambre s'est montrée en accord avec nous, nous aimerions que l'on assure la cohérence par rapport aux décisions prises.
The President. Le Président. With regard to the document the co-prosecutor wish to put before the chamber, the document présenté à la chambre is different from the other documents because the document is the transcription car il s'agit de la transcription d'une émission radio diffusée pendant le régime du Kampuchea démocratique ayant pertinence en l'espèce. Et le coprocureur a également indiqué très clairement que le témoin pourrait n'avoir aucune connaissance du document. Et c'est pour cette raison que la Chambre statue au fait que le document ne sera pas remis au témoin, ne sera pas affiché à l'écran, mais la Chambre autorise le procureur à se référer au document pour poser des questions au témoin. The President counsel for Mr. Kyusampong, you may proceed, but remember that we have already ruled upon this, and you may go to other topics. You are not allowed que vous n'avez pas le droit de revenir talk on the same sur cette ruling. Question et décision. Maître Mr. President, I have no objection to your honor's ruling, but I would like to seek clarification to what extent the documents can be referred to dans quelle mesure est-ce que l'accusation peut faire référence à ce document? Since this is the transcript from the radio recording, transcription d'une émission radio, co-prosecutor is allowed to read or to cite any portion from the document to refresh the memory of the witness. The President continues. Judge Lavergne, you may now proceed. Je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Just to make things are clear for all parties, as well as for the public, if I am not mistaken, the document the prosecution wishes to refer to is a document that was put before the chamber. Since this is a document that bears an E3 number, and I believe that it is E3/118. So since this document was put before the chamber, it may be used as a basis to put questions. However, there is a general limit, which is the relevance of the questions and the relevance of the reading of the document itself as well. Thank you, Your Honours, and le coprocureur. I will be brief. Merci, mesdames, really, messieurs les juges. My intention is simply to see if the witness recognizes some of the content in the transcript. De cette transcription. For the record, this is E3/118. The relevant ERNs are in Khmer 007-00267. In French, 007-00256-00166-897. I will refer to only a brief passage out of this, Madame Sasiek, and by way of introducing the transcript. As I said earlier, it's dated the 1st of April 1975. The title of the broadcast is Kyusampong issues a statement on current situation. The transcript states that this is the radio recording is from the voice of the National United Front of Kampuchea of Phnom Penh, and that it is made in the Khmer language. Il s'agit là d'une émission en Khmer. The transcript then indicates that it is a statement by the royal government of the National Union of Cambodia, read by Kyusampong. That is a recorded statement.
et qu'il s'agit d'un enregistrement. I will read only two brief paragraphs, two sentences, and see if you could listen to the translation and tell us whether that is, this is a type of broadcast that you si c'est le type heard at the time. D'émission que vous avez pu entendre à l'époque. This starts with paragraph number one. Premier for those looking at the document, the NUFC, the National United Front of Cambodia, FUNC, with Samdek Chief of State Norodom Sihanouk as chairman, and the Royal Government of the National Union of Cambodia, GRUNC, with Samdek Pen Nut as Prime Minister, and Khieu Samphan as Deputy Prime Minister, comme Vice-Premier Ministre, in their capacity as the legitimate organizations and sole representatives et le of the broad national unity of the Cambodian nation and people, will de la administer et du peuple cambodgien all of Cambodia and Phnom Penh. L'intégralité du territoire and du just Cambodge one et de Phnom Penh. More passage, number two, passage, the National United deux, Front of Cambodia, the Royal Government of the National FUNC, Union of Cambodia, and le the GRUNC, Cambodian People National Liberation Armed Forces would like to appeal to all officers, men and members of armed organizations of all categories of the traitorous clique on all battlefields, including those around Phnom Penh and in some provinces under temporary enemy control, to lay down their weapons immediately and join the National United Front of Cambodia at once. Functionaries of all ranks are asked to immediately stop working for the seven traitors and join the National United Front of Cambodia. So, Madam Sasiek, I've read a part of that, of that recorded statement. Do you recall hearing this statement or similar statements on the radio? Telle déclaration ou une déclaration similaire à la radio? Response to your question. Réponse. I declined to give any concrete response since I was very young at the time, and I cannot say for certain whether I heard such a statement. Je ne peux pas dire avec certitude si j'ai entendu une telle déclaration. Very well. L'accusation. Très bien. Do you recall other statements discussing these topics, the situation on the battlefield, à savoir la situation and sur le champ de bataille, asking the forces of the Lon Nol regime to surrender? Do you remember broadcasts like that in this period? Vous souvenez-vous d'émissions de ce type qui auraient été diffusées à l'époque? No, not at all. Réponse. I did not hear absolument such a pas. Statement. Je n'ai rien entendu de tel. And question. Do you recall avez-vous souvenir whether the radio programs generally si, de manière générale, contained les messages radio that were comportaient read by des messages the senior leaders qui étaient lus par of the movement. Les hauts dirigeants du mouvement. I réponse. Do not know about that as well. Je n'en sais rien and non plus. I did not pay attention to that at the time. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Very well. L'accusation. Très bien. Comment attend le président. I notice the defense counsel is on his la feet. You may proceed. Est à la défense.
Thank you, Mr. President, and I apologize to the prosecution for interrupting the questioning, but I think it's an issue that needs to be settled before we proceed with further documents, and it relates to which documents can be quoted or not, because I have listened to the clarification of Judge Lavergne, and I appreciated those, but something is still unclear, because if I understand Judge Lavergne correctly, it's the relevance of the questions that is determinative or partly determinative of whether a document can be quoted from, and also, if I understand the clarification correctly, whether it's been put before the chamber, yes or no, and before we proceed along this line, I want to have some clarification cadre, how that would apply to the documents we de used earlier, because some of those were in fact put before the chamber, like document number E3/1435, and we were not allowed to use it. Or, moreover, we were told we couldn't quote from those documents before we had even formulated a question. So it doesn't seem to hinge just on the relevance of the questions. So, for all parties, I think it is useful if an actual rule is established as to when a document can be quoted from. Dans quelles conditions on peut citer des extraits d'un document. Again, pour information, à nouveau, nous rejoignons pleinement l'accusation propagate a liberal approach to this issue, and I don't see why documents could not be quoted from. If nous ne voyons they pas pourquoi on pourrait extraire des passages d'un document these documents. So, a clarification would be si cela est utile pour les parties. Before we proceed. Nous aimerions donc avoir des précisions if I may respond briefly, Mr. President, and really only in the interest of time, l'accusation. I referred earlier to a filing that we made in May. Of 2012, déposée en mai 2012, document E-document 201. And we summarized in that filing our understanding of the legal position, the actual four uses that we submitted would be entirely appropriate. I summarized in paragraph 3 of that filing, and as I said, that is document E. 201. C'est donc le document E-201. Il y a un paragraphe, il y a un résumé, et il y a plusieurs utilisations prévues. Au point 3, c'est le fait qu'un document peut être utilisé et montré à un témoin pour corroborer la teneur du document ou le développer sur la base de la connaissance directe du témoin. Les juges ont répondu dans le document E-201/2. Trial chamber memorandum of the 13th of June 2012. Your Honour's restated the four uses that we had put forward, and Your Honour's indicated that this request merely restated the law, and we took that to mean that Your Honour's essentially accepted our summary of the legal position, and your ruling earlier was consistent with that position. In order to move on with the examination of this witness and dans avoid further delay, what de I would say du is, pour ne plus perdre if, de temps, if there's a need to discuss this, perhaps s'il it est nécessaire d'en parler, taken up at the trial management meeting with a number of issues relating to documents, à la réunion de mise en état, we move on now that we have a ruling que les autres questions relatives aux documents. Mais entre-temps, je propose que nous allions de l'avant.
President. Thank you all. And the chamber would like to inform the Defense Council regarding your observation on further clarification of the types and limitation of documents des précisions that either can be quoted or not. Sur le point de savoir si l'on pouvait ou non citer des documents. The chamber will decide on this issue and rule on it tomorrow morning. Là-dessus demain matin. As of now, the floor will again be given to the prosecution la parole to put questions to the witness, as a lot of time has been wasted this afternoon on on other issues. On a déjà passé trop de temps cet après-midi sur des questions étrangères. And this issue can also be a subject to be discussed. Il pourra également être question de ce point à la réunion de mise en état August. Qui se tiendra le 17. The prosecution, you may now la parole continue. Est à l'accusation. Thank you, le Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Madame Sarsiek. If we return now to your descriptions revenons of what you saw à la description que vous avez faite de ce que vous avez vu au stade olympique en arrivant à Phnom Penh. Do I understand correctly that your arrival at the Olympic Stadium was approximately 4 days vous êtes donc arrivé after the 17th of April? Au stade olympique environ 4 jours après le 17 avril, si j'ai bien compris, n'est-ce pas? Yes. Réponse. 4 days after. Effectivement, 4 jours après. And when you went to question. The Olympic Stadium. Quand vous vous êtes rendu au stade olympique. Did you see any senior avez-vous people there, vu apart from, des personnes Son Sen, haut placées, hormis Son Sen que vous dites avoir rencontré? No, I did not. Réponse. I only non. Saw Son Sen. Je n'ai vu he que came to Son Sen. Greet the youth who il est vu saluer. Il est venu saluer les jeunes qui sortaient des what véhicules. What did he say to you when you saw him? Question. Que vous a-t-il dit quand vous l'avez vu? He greeted réponse. Us. He asked how did we go salué. Along the way where we stayed. Il nous it's a demandé si le voyage était bien passé, où nous logions. C'était une conversation Now, you, ordinaire. How long did you then stay at the Olympic Stadium? Combien de temps êtes-vous resté au stade olympique? We réponse. Stayed one night at the Olympic Stadium and next morning we went to the Ministry of Propaganda. Et le lendemain matin, nous so sommes allés au ministère de la propagande. Overnight at the stadium. Donc nous avons logé au stade. Question. And at this point I think you said you saw je pense tens que vous avez dit qu'à ce moment-là, vous avez vu des dizaines de milliers de personnes from the riverside in your direction. Qui avaient quitté les quais et qui avançaient dans votre direction. Could you describe that group? Were they pourriez-vous décrire ce groupe? Were they women or children était-ce among des them? Hommes were there any elderly people y avait-il in that group? Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées dans ce groupe? Yes, I can do that. At that time, I réponse. Did not see any monk. À ce moment-là, je n'ai pas I vu was de moine. Standing and watching them amongst my peers. J'étais avec and the mon distance groupe, from je the stadium passer. To the street, that is to where the people were, was a rather far distance. Depuis le stade, I saw ces gens people, étaient I saw assez some loin. People, j'ai and vu I saw people on the motorbikes notamment as well. Des personnes âgées, j'ai vu aussi des and, gens à moto.
Were they accompanied by anyone? Ces gens étaient-ils accompagnés Khmer Rouge par des soldats Khmer Rouge, par exemple, ou par d'autres? Je n'ai pas vu de soldats les escortant. J'ai vu des gens in the direction they wanted to go. It was kind of normal to me. Qui marchaient dans la direction qu'ils avaient choisi. Ça me semblait plutôt normal. Question. Ça vous a semblé plutôt normal de voir des dizaines de milliers de personnes qui étaient évacuées de la ville? Yes, that is correct. Oui. Why did you think Question. That was normal? Pourquoi est-ce que cela vous a semblé normal? What did you understand to be the reason for why they were leaving? D'après ce que vous compreniez, quelles étaient les raisons de leur départ? I also did not understand. Réponse. Because they were, je ne comprenais pas. And then they were instructed to go temporarily to their native villages. On leur avait donné pour instruction d'aller temporairement dans leur village d'origine. Je ne comprenais pas bien la situation à l'époque. Do you know who they were instructed by? Question. Savez-vous qui leur a donné des instructions? Who gave them instruction to leave? Des instructions de partir. Réponse. I did not know. Je n'en savais rien. Very well. Question. Très bien. Having stayed at the Olympic Stadium for one night. Vous avez logé une nuit au stade olympique. I think you said you went to the Ministry of Propaganda. Après cela, je pense que vous avez dit être allé au ministère de la propagande. Est-ce que c'est l'endroit auquel vous avez fait allusion auparavant en disant qu'il était près du Wat Phnom? Yes, it réponse. Was located near oui. the Wat Phnom. It was c'était to the east of the railway station. À proximité du Wat Phnom, à l'est de la gare ferroviaire. School compound. Il y avait les grands bâtiments d'une école. And I believe it was called Lycée Descartes back then. Je pense qu'à l'époque, ça s'appelait le Lycée Descartes. The words they used to refer to that school. Et j'ai simplement répété le nom de cette école tel que je l'avais entendu. And was that the building at which you stayed? Était-ce le bâtiment until 1979? Où vous avez résidé jusqu'à 1979? Réponse. In that office. J'ai séjourné until 1977, dans ce bureau jusqu'à 1977, jusqu'à fin 77. Then the ministry ensuite, moved me to le the ministère printing house. M'a transféré I no longer stays at that at office. À la maison d'édition et j'ai donc cessé de séjourner dans ce bureau. Now you described for my colleague earlier Question. How you were given some guidance by the former vous technicians. Expliquez à mon confrère at the radio de quelle station. Manière vous aviez reçu les instructions de la part d'anciens techniciens à la station radio. Est-ce que cette station ministry? Était située au même endroit que le ministère? The radio station, réponse. As well as the residence for la station the group, radio et le lieu de résidence were du groupe part artistique of, and within the compound of the se trouvaient dans propaganda. L'enceinte du ministère de la propagande. And where did Question. Hunim stay? À quel endroit in that period after April 1975? A-t-il he said he was chairman of the résidé Ministry of Propaganda. Après avril 1975. Vous dites qu'il était président du ministère de la Propagande. Où résidait-il?
Initially, réponse. He came for one day or two at au the début, Ministry of Propaganda, il but est venu at that time, au ministère de la propagande was, un jour clean. Ou deux, mais les lieux d'hébergement n'étaient pas so I did not know propres. Where he stayed. Je ne savais pas où later il logeait. On, he came par la to suite, reside in il est venu habiter together with his dans wife l'enceinte and children. En compagnie de sa femme et de ses enfants. Question. If I can, in the limited time that we il have, reste if du I can just quickly cover with you mais pourrais-je the brièvement responsibilities avec vous or functions of the ministry. Fonctions et responsabilités apart from du ministère. The radio station, hormis operating the radio station, what la station did the Ministry of Propaganda radio, do? What other functions did it quelles perform? Étaient les autres fonctions du ministère de la propagande? At the Ministry réponse. Of Propaganda, there was the news reading section, au ministère the technical section. De la propagande, il y avait la section de la lecture des informations, la section technique, the telegram section, la section des télégrammes, and the artist section. Et la section artistique. You mentioned that question. At one point you were vous moved, qu'à un moment, I think you said in 1977, en you 77, moved to a printing pense, vous avez été transféré vers part of the Ministry une maison d'édition. Of Propaganda. Est-ce que celle-ci relevait du ministère de la propagande? Later, I was asked réponse. To work plus on tard, the book on at that printing office. Let me expand a little bit further. After I was transferred la mission, to work à la maison d'édition. On the book vous expliquer. At the j'étais transféré pour printing travailler office, sur les livres à la maison d'édition. The Ministry of Propaganda and the printing le ministère house de la propagande was integrated et la maison d'édition the Ministry of Propaganda ont and été education. Intégrés so pour former le ministre terre de la propagande et de l'éducation. Les deux ont fusionné. Thank you. And when the two question. Were integrated, au moment de cette fusion, who was the minister qui était le ministre integrated ou le combined ministry? Président de ce nouveau ministère combiné? At that time, the person who réponse. Was in charge à l'époque, was Mrs. Yunyat. Le responsable, c'était Madame Yunyat. And the one who replaced Hunnam was Choi. Quant au remplaçant he de Hunnam, c'était for the Choi, propaganda. Lequel était responsable de la propagande. Do you know Choi's full name question. By any chance? Connaissez-vous à tout hasard le nom complet de Choi? My question was simply, do you recall Choi's full name? Avoir le nom complet. No, I only know him as Uncle Choi. Or moi, je Choi ne le connais comme Uncle Choi, Bu Choi. You said you were sent to work. Mais vous on nous a avez book. Dit qu'on vous a envoyé là pour travailler un livre. Pouvez-vous nous dire de quel livre il s'agissait? J'ai été envoyé
print it. I have to check the page number to learn the typeset à la mise en page des livres et ceux en vue de la publication, correction, révision, pagination. Avez-vous souvenir du titre de l'ouvrage? Réponse. I'm afraid not. J'ai bien peur que non. It was a long time ago. Ça fait longtemps. What about the contents of the book? Qu'en est-il de ce sur quoi portait le livre? S'agissait-il d'un manuel scolaire, d'un ouvrage scientifique? De quel type d'ouvrage s'agissait-il? Quel en était le contenu? Réponse. In the book, for example, it is about women at the salt field, then there would be a woman picture with picture of the salt marais salant. As heading. Et donc and il y avait des titres, donc les femmes et les marais, dans le marais salant, canal, et puis la construction, par exemple, on faisait quelque chose sur l'édification ou le creusement des canaux. On avait un titre, donc le peuple travaillant à l'édification des canaux. Le président, je vous remercie. The hearing. L'audience sessions today come to the appropriate conclusion. Pour aujourd'hui, we would adjourn touche à sa fin. By now. Logique. The next session will be resumed tomorrow by 9 a.m. L'audience est donc levée. Please nous recommencerons demain à 9h. Mr. Sun Sikun will be testifying. Nous informons que c'est M. Sun Sikun qui témoignera demain. To be put by counsel ce sont for les Yingsari. Conseils de Yang Sari qui continueront possible, à l'interroger si possible. We may nous listen or hear the testimony of a witness saw see it. It nous depends on the health condition du témoin Sao Sik, tout dépendra de l'état de santé de Monsieur Sao Sik demain. Mrs. Madame Sao Sik, the chamber has not completed hearing your testimony. Non, we would like you n'a to pas come fini back tomorrow. Avec votre audition. Nous aimerions que vous reveniez demain. The court officer is instructed to et l'huissier assist the witness a reçu consigne de vous apporter son assistance pendant la période où security nous ne sommes pas personnel en are now instructed to bring silence. All the three accused persons to the detention de facility va maintenant accompagner les accusés aux cellules du centre de détention et faire en sorte qu'ils soient là demain matin à 9h. L'audience est levée.